jour tous les fans des années 60. Avec l'accord de nostalgie.fr, voici la légende d'un grand nom de la chanson française. Du hippie au protestataire, il nous fait rêver de Maison Bleue, envier son frère, ou fredonner en passant sa route, une perle de la chanson française qui sait toujours surprendre par ses multiples ressources. Je veux parler de Monsieur Maxime Le Forestier. Nostalgie, la légende de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier est né à Paris le 10 février 1949. Il a deux sœurs aînées, Anne et Catherine, qui à sa naissance ont respectivement 6 et 3 ans. Son père, dessinateur industriel, est d'origine française mais né en Angleterre. Sa mère est une passionnée de musique et donne des cours d'anglais. Les trois enfants commencent très tôt à prendre des cours de musique classique. Le jeune Maxime apprend le violon. Le jour où sa mère lui offre un album de Georges Brassens, c'est une véritable révélation. Le jeune adolescent se tourne alors vers la guitare et apprend les premiers rudiments de l'instrument et commence à se produire chez Louisette, un café du marché aux puces de Saint-Ouen. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal de regards obliques, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques. Oh, des petites gueules bien sympathiques. À cette époque, ses parents divorcent. Côté scolarité, après avoir fréquenté un collège religieux, il entre en seconde au lycée Condorcet à Paris. À la fin de sa première, il en est renvoyé pour indiscipline. À partir de 1965, avec sa sœur Catherine, il forme le duo Cat et Maxime. Il tourne dans les cabarets parisiens avec un répertoire folk américain. Tour de chant pendant lequel ils reprennent plusieurs titres d'un de leurs groupes favoris, Peter, Paul and Mary. Pendant cette période, ils croisent Coluche, Joël Favreau ou encore Romain Bouteille qui, comme eux, se produisent dans les cabarets parisiens. Ils rencontrent aussi Georges Moustaki, avec qui ils deviennent amis. Le chanteur leur offre même la possibilité de reprendre quelques-unes de ses chansons. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Le duo va enregistrer 2 45 tours, puis Catherine va devenir la choriste de Georges Moustaki. Maxime, de son côté, compose et propose même une chanson à Serge Reggiani, qui l'accepte. Pauvre Judas, qui tendait les mains. Très vite arrive 1969 et Maxime, comme tout citoyen français, est appelé sous les drapeaux. Il est incorporé à Dieuze dans le 13e régiment des dragons parachutistes. Il ne fait évidemment pas partie des éléments les plus motivés et va même jusqu'à demander de faire son premier saut en habit de ville pour ne pas mourir dans des vêtements qui ne lui appartiennent pas. Au bout de 2 mois, il est de retour à Paris. Dès que ses obligations militaires lui laissent un peu de temps libre, il se consacre à la chanson et trouve même le temps d'enregistrer 2 45 tours qui vont passer totalement inaperçus. L'un d'entre eux s'appelle « Cœur de pierre, face de lune » avec en face B une chanson qui, elle, deviendra plus tard un succès. Il s'agit de « La petite fugue ». C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. De retour à la vie civile, il part avec sa sœur à Marseille pour jouer dans la comédie musicale O America dont il a composé la musique. Toujours avec Catherine, il s'envole pour les États-Unis, se balade à travers le pays et s'installe un temps dans une communauté hippie de San Francisco. De retour en France, il signe enfin un contrat avec la maison de disques Polydor. Quelques semaines plus tard, il sort sur ce label son premier 45 tours. Mais, il n'est pas là, à qui la faute ? Pas à mon père,
succès n'est pas vraiment au rendez-vous, même si l'artiste suscite une certaine curiosité. Tu aurais pu chanter cela. Retrouvez la suite de la légende de Maxime Le Forestier sur nostalgie.fr.